poursuivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le troisième groupe d'invités est avec nous. Nous allons parler de cryptocurrency avec Nancy Pierre. Bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Et Cadet d'Orsius. Bonjour, Alain. Bonjour, chers téléspectateurs, Radio et Télémétropole. Merci pour l'opportunité. Yeah. L'un n'a pas les deux. Cryptocurrency, de qui ça n'a pas les concepts ça vraiment nouveau en même. Ok. Cryptocurrency, c'est une monnaie électronique. Plus ou moins, on connaît de parler de Bitcoin. Bitcoin en 2008, c'est le premier monnaie électronique qui était créé par un genre, il n'y a pas connu si c'est un monde ou si c'est un groupe. Il y aurait Satoshi Nakamoto, les créés sur une technologie qui relève blockchain. Blockchain, c'est une sorte de database, un genre pour recorder information, transaction. Monsieur Gossis, you want to talk about her on the ledger? Okay, so Madame Nancy dit pour ledger. Ledger, c'est comme si son sous-chèque. Si moi fais une transaction avec vous, ma bon chèque, toujours un sous, pour mettre information, date, raison, transaction. Donc, information, ça, li entre dans le système blockchain, li pas ka changer. Parce que, aussitôt qu'elle fin entre, tout le système nan yen, tout le monde, blockchain, ça, pas de monde qui ka changer, pas de monde qui ka hijack. C'est pas un seul serveur qui est situé en côté, c'est un serveur global que les. Decentralized. Yeah. Alors, où t'as dit nous en police, t'as le A que la question cryptocurrency et pas seulement Bitcoin qui gagne, il y a d'autres encore. Oui, il y a d'autres. Il y a qu'on a relayé aux altcoins, ça veut dire l'autre, autre coin. So, il y a plus que 1700 coins. Ouais. Il y a plus que 1700 coins qui existaient, mais étant donné Bitcoin, c'est lui-même qui mère, c'est le premier coin qui prend initiative, qui prend naissance. Le prend naissance, c'était à 0,9 centimes que le tap vendre. Donc, il est monté en décembre, il est monté à 17 000 $. Il est venu à trade à 8 000 $ aujourd'hui. Donc, il y a un paquet d'autres coins, il y a Ripple, il y a Litecoin, il y a Blackcoin, il y a 1700 coins qui existaient après. Et il y a l'autre qui est venu toujours, parce qu'il y a un pile à CEO qui travaille, donc à CEO ça, il y a un nouveau coin qui est apporté. Mais Bitcoin, c'est lui-même qui est plus fameux, c'est le premier coin, c'est lui-même, tout le monde connaît. Donc, mais il y a un pile d'autres coins qui est capturé, qui parle au niveau Bitcoin, mais éventuellement, il n'y a pas avancé. Donc, son monnaie, n'a pas une de monnaie fictive ou numérique? Ok. C'est et de ne comprendre plus. Okay. Na, oui, c'est pas l'argent qu'on gagne en main. Mais non. Donc, une pièce de monnaie. Ma non. Bon exemple. Haïti, d'après le chef qui a fait, il y a un million de monde qui déjà a transféré l'argent sous téléphone, comme Chocho Cash. Je ne vais pas faire promotion pour eux, mais il y a déjà. Dans le domaine technologique, on a transféré l'argent, par exemple. Mais ça, c'est au monde, si vous avez même compte ça, vous avez l'argent bas. Or, Bitcoin, ou du moins cryptocoin, c'est différent, c'est pour l'argent. En somme, l'argent en général, c'est pour bagaille. Vrai l'argent, mon j'aime. Quelques mille dollars, ou carwell, si n'a pas une transaction. Mais si n'a pas les quelques millions de dollars, son signature, son email. Il va exister. Donc, coin si ça, c'est pour ou pas bien me filer, ou pas bien me sentir, ou carwell dans le téléphone. Donc, technologie, hein, c'est là que nous disons, là, 21st century, ou qu'on est côté l'argent qui est sorti. Avant, nous sommes arrivés dans la révolution, l'argent papier. C'était coin qui était mal aller plus loin. C'était au bon duré, moins bon maille. Nous avons fait trop. Nous sommes dans trop, nous arrivons dans le coin, nous arrivons dans l'or. Dans les années 2000, nous avons eu une révolution. Lors de la banque, c'est ton carnet où tu as eu un dépôt,
yo noté sous canal on pas connait si mon moi pas pour aux jeunes sous te gétan comme ça donc dans les années 2000 on vient gagner révolution l'argent électronique ou grand canal on connaît et pour connaît ou grand carte de banque ou ca aller dans ATM ou aller l'argent ou ca aller en côté ou faire transaction électronique donc transaction électronique là il commencer mais je dis on arrive dans l'autre niveau. Je vais pour le numéro de carte. Je vais faire une transaction avant. Si par exemple, moi aux États-Unis, je dis que je vais faire une transaction avant, formellement, dans la banque, pour me faire une banque d'information, pour que je vais avoir l'agence à son compte, moins payer ou payer pour la transaction. Il n'y a pas fait rapide, il prend plusieurs jours pour le paraître sur compte. Mais si moi aux États-Unis, ou Haïti, je vais faire une transaction en Bitcoin, aussitôt que nous acceptons à prix, hein, dans quelques minutes, l'argent est en paraître dans le système. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et Haïti supposé rentrer dans la logique ça. Tout d'abord, premier acte dans la question cryptocurrency, ce sont les banques, non? Non. C'est un système qui, en anglais, nous dit decentralized. Ça veut dire que chaque transaction pair à pair. Ça veut dire ça, monsieur Dossier, c'est okay. À expliquer à. C'est moi-même avant. Ça veut dire moi-même avec pour nous faire affaire oui. Sans que nous battons tenu compte de. En troisième partie. Non. Okay. Donc, mais dans le même système, ça a un système qui est le smart contract. Mm-hmm. Tant que je nomme dans Tabzo, d'après la technologie, moi-même avant, nous pas besoin de moins de monde. C'est smart. Un smartphone, smart contract. Là. Nous négocions ma passion carrément. Nous acceptons rien, bon contrat, même si on a un smartphone, nous avons un contrat à faire. Donc, on n'a pas besoin de banque pour faire transaction. Mais là, est-ce que pas bon problème de l'égalité de législation qui posait? Est-ce que le pays, donc les États-Unis, la France, la Russie, en États-Unis, il y a. Congrès, il y a chita pour chercher qui gens pour définir sa Bitcoin, qui gens va l'utiliser dans le pays. Qui sa régulation gouvernement va le mettre sous lui. Mais Gemoun, nous te voyons en présentation hier dans le Financial Summit, là, il y a un jeune qui t'a parlé de qui sa Bitcoin, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est on. En property, est-ce que c'est en caille lié? Ça lié, parce que c'est bon bail virtuel lié, nous parlons qui j'en pour nous, pour fin connaître qui j'en y va le traiter. En Japon, ou qu'a utilisé pour acheter n'importe ça au besoin de pays. So, en Japon, y'a accepté comme l'argent. C'est comme ça, y'a utilisé. So, on pensait en pile dans l'autre pays, y'a regardé qui j'en, Japon, y'a utilisé. Pour voir qui est bon, qui est pas bon, pour décider qui relation il va mettre. Pour me dire que dans ça, Miss Nancy Sodi, étant donné Haïti toujours en retard dans tout niveau, nous avons souhaité que fois ça, jeunesse haïtienne, ouvre les yeux pour ne pas rater l'opportunité ça. Pas habiter sur Facebook, à poster photos, aller sur cryptocurrencyforhaiti.com, c'est une académie, nous créer. Information là, yo gratuite. Aussitôt que vous fin prend information ça, y a qu'à comprendre comment pour utiliser technologie ça, y a qu'à comprendre comment pour yo faire l'argent pour tête yo, pour yo pas dépendre de moun qui pour fin bay opportunité parce que li en face yo là, nous d'assurer que yo utilise. Justement, c'est question ça nous va le poser nous au niveau de cryptocurrency for Haiti, qui ça nous visait comme objectif. Objectif nous, objectif nous, c'est pour aider, collaborer à tout le monde. Par exemple, FinTech, groupe croissance, université, toute université dans le pays pour aider, collaborer, implémenter cryptocurrency, blockchain en Haïti. Ça, c'est réponse pour un pile problème financier qu'on a dans le pays. Mais est-ce que économique est-ce que c'est quelque chose de très démocratique? Est-ce que tout le monde est capable d'approprier de cela? Tout le monde.
secteur privé qui déjà dans business, yo pas besoin peur. Faut yo entrer dans technologie, au contraire, sous déjà dans le monde des affaires. La privée sur yo aussitôt que vous gain accès à un smartphone. OK, mais c'est même petit marchand dans li gain petit parce que c'est groupe jeune qui comprennent ni cap comprennent ni plus facile. C'est ça qui nous focus sur jeune, sur jeunesse là. Aussitôt que on ca manœuvrer un smartphone, nous ca bon nous fait training avec pour que on comprendre comment pour utiliser le pour entrer dans le système là. Même j'en dis nous obligé gain internet. Comment monde ca fonctionner sans internet? Blockchain dans son système qu'on s'allie. Donc, on va arriver non près. Télévision, ça, c'est sous blockchain la pchita. Médical et loyaux, tout système, ou acheter terre, papier terre, papier signé encore, c'est sous blockchain. Carte d'identité, au passeport, visa, gain, tout ça dans blockchain, nous va aller. Donc, si nous avons mettez tête dans la position pour ne pas dernière fois ça, bon, c'est très bon. En dernière question, au niveau de Cryptocurrency for Haiti, est-ce que nous prévoir faire des séminaires parce que pour idéaliser un plus pour nous arriver à comprendre? Oui, maintenant, on travaille en États-Unis, en Boston, Miami, New York et Montréal pour faire tout haïtien qui est de leur pays à comprendre qui ça a fait parce que en pile haïtien qui pas en Haïti, yo voyez comme par exemple en famille, comme ça, vous pensez que yo ka fait échange là non l'autre gens. Si vous venez comprendre blockchain, nous ka créer un système qui ka plus bénéfice, qui ka bay plus bénéfice à peuple haïtien. Voilà, monsieur dame, merci. Merci. Vous avez ton dernier mot. Bon, m'a toujours dit, jeunesse, allez sur cryptocurrencyforhaiti.com, signez. Très important, signez pour vous avoir accès à l'Académie Crypto for Haiti. Merci. 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 Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés, Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs.